Saviez-vous que certains remèdes grand-mère pouvaient se substituer aux traitements conventionnels? En effet, de nombreux médicaments vendus en pharmacie sont à base de substances végétales ou de préparations à base de plantes. Ces dernières sont riches en propriétés thérapeutiques et peuvent soigner divers maux. Dans cet article, découvrez les plantes les plus redoutables pour soulager la bronchite, l'asthme et le rhume. Avant l'essor de l'industrie pharmaceutique, nos ancêtres utilisaient couramment des plantes pour traiter certaines affections. Toux, les bouchées ou qui coulent, maux de tête ou encore gènes respiratoires pouvaient être soignés grâce à des remèdes naturels. Généralement bénignes, les maladies qui touchent les voies aériennes et nasales, les bronches ainsi que les poumons peuvent être pénibles à supporter au quotidien. Voici une liste non exhaustive des plantes aptes à soulager rapidement les maladies respiratoires telles que la bronchite, l'asthme et le rhume. 1. Racine de réglisse. Selon cette étude, la racine de réglisse a des propriétés antivirales et antibactériennes avérées qui permettent de soulager certaines infections. Grâce à l'acide glycyrrhizique, un composé actif que l'on retrouve dans la réglisse, cette plante peut détendre la membrane de la gorge et soulager la respiration. De plus, elle booste le système immunitaire, aidant le corps à se défendre efficacement contre les virus pathogènes qui le menacent. Pour en savoir plus sur les vertus de cette plante, voici 8 utilisations de la racine de réglisse pour protéger votre santé. 2. Tussilage. L'utilisation du tussilage pour soulager les maladies respiratoires remonte à l'Antiquité. Aussi connue sous le nom de padane, cette plante contient des composés actifs qui peuvent lutter efficacement contre les maux de gorge et la toux. 3. Thym. De nombreuses recherches ont mis en exergue le rôle du thym pour éliminer les bactéries et les virus qui peuvent s'attaquer à l'organisme et nettoyer les poumons. 4. Origan. L'origan regorge de vitamines, booste les défenses immunitaires et aide le corps à s'armer contre les infections virales et bactériennes. Riche en tanins et en phénol, il a des propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses qui ont fait leur preuve. 5. Menthe poivrée. La menthe poivrée contient du menthol, une substance qui peut soulager les voies respiratoires et détendre les muscles. Elle peut atténuer les symptômes liés à la bronchite ou au rhume et facilite la respiration. En effet, les scientifiques révèlent que le menthol aide à ouvrir les bronches et à soulager la gêne respiratoire liée aux affections pulmonaires. 6. Tabac indien. Aussi appelé Lobelia inflata, le tabac indien est un remède peu connu mais qui n'en demeure pas moins efficace pour apaiser les infections respiratoires. Contenant de la lobeline, il peut réduire la quantité de mucus présente dans le nez et atténuer les difficultés respiratoires. 7. Eucalyptus. L'eucalyptus est réputé inégalable pour soigner les inflammations des voies respiratoires. En effet, l'usage de cette plante permet de traiter naturellement le rhume, la bronchite ou encore l'asthme. En réalité, son efficacité est due à sa composition riche en antioxydants et à ses vertus antimicrobiennes, indique une étude scientifique. 8. Sauge. Couramment utilisée en médecine chinoise, la sauge est une plante qui regorge de bienfaits. D'après une étude, cette plante peut soulager les maladies pulmonaires et les rhinites saisonnières en aidant le corps à combattre les microbes pathogènes. 9. Clou de girofle. Les clous de girofle contiennent de l'eugénol, un principe actif qui aide à lutter contre les inflammations dans le corps. Selon une recherche scientifique, l'utilisation de ce remède a été efficace pour apaiser les symptômes liés à l'asthme. Par ailleurs, le mélange du citron et des clous de girofle peut soulager divers maux tels que la rage de dents, les rhumatismes mais aussi les infections urinaires. 10. Racine de guimauve. La guimauve est une plante qui peut soulager les irritations et les inflammations.
Ces racines ont des effets antitussifs et peuvent s'avérer utiles dans le cas d'affection des voies respiratoires. En effet, une étude a prouvé que cette plante pouvait soulager l'irritation des bronches ainsi que la toux sèche. Mise en garde. Ces plantes peuvent être utilisées sous forme d'huile essentielle biologique pour atténuer certains symptômes désagréables. En effet, les huiles essentielles ont de nombreux bienfaits et peuvent soulager les affections respiratoires. Toutefois, demandez conseil à un spécialiste pour connaître le mode d'administration de chaque produit et respecter scrupuleusement les doses recommandées. Par ailleurs, rappelons que leur utilisation ne se substitue absolument pas à un traitement prescrit par votre médecin traitant. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si c'est intéressant, veuillez aimer et partager. Si vous avez des commentaires, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer nos notifications.